Bon, pour le coup, en vrai, elle est pas spécialement plus dure que l'autre. Hein. Alors, soit l'autre, c'est déjà de la médium, et je pense que ça doit être ça. Bon, par contre... Le poids, c'est chaud. Il va avoir les jambes déglinguées avant la fin. Il va falloir que je les refasse bien comme il faut. Là, honnêtement, c'est la misère, les jambes, je le sens. Il va tenir, hein, à la fin, c'est pas le problème, mais là, pour le travailler, c'est galère, quoi. Le bâton, il va pas servir tant que ça, en vrai. Le bâton, tout ce qu'il risque de faire, c'est de faire un point d'appui là, qui risque de péter le bras aussi, tu vois. Non, mais de toute façon, je vais refaire les jambes à la fin. Je vais reshape les jambes à la fin et les refaire cuire, mais c'est là, en attendant, faut pas que je me prenne trop la tête dessus, quoi. En tout cas, il prend forme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que je prendrais du fil de fer galvanisé, en acier galvanisé plutôt. Ça tiendra sûrement mieux. Voir qui partir. Vangelis. Ce que je disais. Mais je disais ça parce que. Ah oui. Je voulais pas vous en parliez en fait. Eh ben, disons. Sacré blaze.
Bon, faut que j'arrête de dire du mal des gens en stream, hein, du coup. Pas du mal. La semaine dernière, je disais que Vangelis, je trouvais ça un gars. Ah bon, hein. Je suis un corbeau. Un chat noir. C'est Céphaline. Bah ouais, mélodiquement quoi, tu vois, je veux dire. Après, c'est, on va dire ses thèmes et tout ça. Après, la musique d'ambiance, en fait, ça va. Oh putain de main, là. Mais au niveau des mélodies, des thèmes et tout, ça, j'ai toujours trouvé ça un peu ringard. La fabuleuse histoire de Décathlon. Après, je dois t'avouer qu'Aphrodite Child, je connais que la musique la plus connue, tu vois.